Bienvenue dans le second enseignement de Dead by Daylight concernant les compétences de survivants. J'espère que vous avez bien retenu la dernière leçon. D'ailleurs, voici quelques questions pour vérifier. Vous trouverez les réponses en fin de vidéo. Un tueur vous entend-il lorsque vous entrez ou sortez d'un casier? Combien de fois peut-on accrocher un survivant jusqu'à sa mort? Existe-t-il un accessoire et un objet permettant de localiser le tueur lorsqu'on est survivant? Existe-t-il une offrande vous permettant de mieux vous libérer du crochet? À quel niveau sont les perks enseignables de chaque survivant ou tueur? Très bien, commençons maintenant l'enseignement des compétences. Celles-ci sont débloquables tout au long de votre progression dans la toile et possèdent 3 niveaux d'amélioration. Lorsque vous débloquez une compétence rang 1, la prochaine fois que vous la trouverez, elle sera rang 2 jusqu'au rang 3, où elle est supposée être bien meilleure. Je vous expliquerai la plupart du temps les perks avec leur rang leur plus élevé. Je rangerai également les compétences par rang d'utilité allant de S pour les perks dites presque indispensables jusqu'à D pour les perks à ne pas prendre car pas assez intéressantes. C'est donc un classement établi par mon codeur, je suis une intelligence artificielle, vous vous souvenez? Avant de parler des compétences enseignables de chaque survivant, passons par les compétences communes à tous les personnages. Déjà vu. En début de partie, vous révèle l'aura de 2 générateurs pendant 8 secondes. Si vous avez une carte, ces 2 objectifs seront ajoutés à l'utilisation de la carte. Rang D. Frisson. Vous êtes alerté par un signal sonore quand le tueur regarde dans votre direction et qu'il est à 36 mètres de vous. Lorsque c'est le cas, vous avez 10% de chance supplémentaire de faire apparaître un test d'habilité qui sera légèrement plus dur. Les actions de réparation, sabotage et soins seront-elles plus rapides de 6%. Rang C. Ce n'est pas en train d'arriver. Lorsque vous êtes blessé, vos tests d'habilité auront une zone plus grande de 30%. Rang D. Résistance. Si vous êtes blessé, vous irez plus vite de 9% lors de vos réparations, sabotage et soins. Rang B. Nous y arriverons. Décrocher un survivant d'un crochet vous redonne le moral. Vous le soignerez beaucoup plus vite et vos alliés pendant 90 secondes. Rang S. Espoir vous permet de courir plus vite de 7% pendant 2 minutes lorsque vous rallumez le courant des portes. Rang D. On n'abandonne personne. Une fois le courant des portes rétabli et qu'elle est ouverte, vous gagnerez un bonus de 100% de points dans la catégorie altruisme et réaliserez vos soins 16% plus rapidement. Rang D. Viande glissante. Vous serez beaucoup plus doué pour vous libérer des pièges du trappeur et vous profiterez de 3 tentatives de décrochage supplémentaires sur le crochet, soit un total de 7 tentatives maximum. Rang C. Petit gibier. Lorsque vous regardez dans la direction d'un totem ou d'un piège du trappeur dans un angle de 45 degrés, une alerte retentira. Petit gibier a un temps de recharge de 10 secondes. Rang C. Poids plume. Lorsque vous courez, le tueur voit vos traces et peut vous suivre pendant 6 secondes. Avec poids plume, elles ne seront visibles plus que 3 secondes. Rang B. Instinct de pillard. Cette compétence vous permet de voir l'aura des coffres dans un rayon de 32 mètres autour de vous. Augmente également considérablement les chances de trouver un objet de grande rareté. Rang D. Sentiment obscur. Une fois le courant des portes rétabli, vous pourrez voir où se trouve le tueur pendant 7 secondes. Rang D. Parenté. Pendant que vous êtes accroché, les autres survivants gagnent un repérage qui leur permet de savoir où sont tous les alliés. De plus, si le tueur est à moins de 8 mètres du crochet, son aura est également révélée à tout le monde. Rang D en équipe et rang B en solo. Prémonition. Vous sentez le danger. Lorsque vous regardez le tueur dans un rayon de 36 mètres et sur un angle de 45 degrés, vous serez alerté. Prémonition a un temps de recharge de 30 secondes. Rang B. La plupart des perks communes ne sont pas d'une grande utilité, mais elles peuvent s'avérer situationnelles ou parfois si vous n'avez pas beaucoup de choix si vous êtes débutant. Venons-en aux compétences enseignables de chaque personnage. Ces compétences sont à la fois propres à chaque personnage et enseignables. Prenons un exemple. Mec Thomas possède les compétences rapide et silencieux, course effrénée et adrénaline. Vous les aurez donc toutes débloquées rang 1 dès le début et les trouverez dans votre toile. Toutefois, si vous souhaitez que Dwight Fairfield possède une de ses perks, vous devez d'abord atteindre le niveau correspondant sur Mec Thomas, soit niveau 30 pour rapide et silencieux, 35 pour course effrénée et 40 pour adrénaline. À ces paliers clés, les perks enseignables orange seront disponibles dans la toile de Meg. Une fois débloqués, vous pourrez enfin les trouver dans la toile de Dwight et de tous les autres personnages. Meg Thomas. Rapide et silencieux. Vous ne ferez pas du tout de bruit lorsque vous interagirez avec une palette, fenêtre ou casier à toute vitesse. Rapide et silencieux a cependant un temps de rechargement de 20 secondes. Rang B. Course effrénée. Lorsque vous courez, vous gagnerez un bonus de 150% de vitesse pendant 3 secondes. Puis vous serez épuisé pendant 40 secondes, que vous devrez attendre avant que course effrénée ne se redéclenche. Rang S. Adrénaline.
Au moment où le courant des portes est rétabli, Adrenaline vous soigne un état de santé et vous permet de courir à 150% de votre vitesse normale pendant 5 secondes. Si vous jouez contre Freddy, vous sortirez de l'état de sommeil. Si vous étiez sur un crochet au moment où le courant est rétabli, vous bénéficierez d'adrénaline une fois décroché. Adrénaline s'active même si vous étiez sous l'état d'épuisement et provoque un nouvel épuisement de 40 secondes. Rang A. Dwight Fairfield. Lien. Vous pouvez voir l'aura de vos alliés dans un rayon de 36 mètres. Rang A. Montrez ce que vous savez faire. Plus vous êtes accompagné d'alliés, plus vos actions sont rapides, allant de 3 à 9% supplémentaires. Ça concerne le sabotage, la réparation, les soins, l'ouverture des portes ainsi que la fouille des coffres. Rang B. Meneur fait tout l'inverse de montrer ce que vous savez faire. Cette fois-ci, vous augmentez toutes les actions de vos alliés de 9% dans un rayon de 8 mètres. Rang A. Claudette Morel. Empathie vous révèle l'aura des survivants blessés ou en état critique à travers toute la carte. Rang A. Connaissance en botanique. Votre savoir concernant les plantes augmente votre vitesse de soins de 20% et l'efficacité de vos trousses de soins de 20%. Rang B. Auto-soin débloque la capacité de se soigner soi-même. Cependant, moins rapidement que si un allié vous soignait, soit deux fois moins vite. Si vous aviez une trousse de soins qui procure déjà cet effet, l'efficacité de celle-ci serait augmentée de 20%. Rang S. Jake Park. Volonté de faire. Malgré vos blessures, votre personnage ne fera aucun bruit de douleur, sauf en état critique. Rang S. Esprit calme. Des corbeaux se posent un peu partout dans la map. Passer à côté avec esprit calme ne les fera pas s'envoler et donc pas de génération de bruit. Rang B. Saboteur débloque la possibilité de saboter les crochets ou les pièges du trappeur sans avoir de trousse à outils à une vitesse de 50%. Si toutefois vous aviez une trousse à outils, l'efficacité serait augmentée de 100%. Rang B. Nick Carlson. Atterrissage équilibré. Lorsque vous tombez d'une hauteur, votre personnage ne sera immobilisé qu'un très court instant et vous courrez à 150% de votre vitesse normale. Provoque ensuite un épuisement pendant 40 secondes. Si toutefois vous étiez déjà épuisé au moment de votre chute, celle-ci serait quand même amortie. Rang A. Évasion urbaine. La vitesse de mouvement en position accroupie est augmentée de 100%. Rang S. Ad Augusta per Angusta. Réduit l'utilisation de votre objet équipé de 15% pour vous et vos alliés dans un rayon de 8 mètres. Rang C. Laurie Strode. Survivant unique. À chaque fois qu'un de vos alliés perd la vie, la portée de capacité de repérage d'aura du tueur se réduit jusqu'à être totalement immunisée si vous êtes la dernière personne en vie. Rang C. Objet d'obsession. Cette compétence augmente vos chances d'être l'obsession. Si vous regardez dans la direction du tueur alors que vous êtes en dehors de son rayon de terreur, son aura vous sera révélée et la vôtre lui sera révélée jusqu'à une distance maximale de 72 mètres. Si malgré cette compétence vous n'êtes pas l'obsession, la portée est réduite à 64 mètres. Rang B. Coup décisif. Augmente également vos chances d'être l'obsession du tueur. Une fois par partie, alors que le tueur vous porte sur son épaule, vous pourrez tenter de vous libérer en le poignardant si vous réussissez un test d'habilité plutôt corsé. Si vous réussissez, le tueur sera étourdi pendant 4 secondes. Toutefois, si vous n'êtes pas l'obsession, vous devrez gigoter jusqu'à atteindre 35% de la barre avant que le test n'apparaisse. Si vous ratez le test, la perque se désactivera quand même. Si vous laissez filer le test sans rien faire, alors vous pourrez retenter la prochaine fois. Rang S. Ace Visconti. Le cœur sur la main renforce les capacités de repérage d'aura de 8 mètres pour vous et tous vos alliés. Rang D. Augmenter la mise augmente la chance de tous les survivants de 3% par survivant encore en vie pour un maximum donc de 12%. Rang D. Un as dans la manche vous permet de trouver des objets dans les coffres avec 50% de chance qu'un accessoire très rare ou inférieur y soit attaché. Rang Ace Visconti. Feng Min. Technicien vous aidera à faire vos générateurs en toute discrétion. Le bruit ajouté lorsqu'on répare le générateur sera perceptible de moins loin. De plus, si vous échouez à un test d'habilité, vous aurez 50% de chance de ne pas faire exploser le générateur. Rang C. Souple. Vous fera courir à 150% de votre vitesse normale lorsque vous passez par-dessus un obstacle et que vous êtes pourchassé. Il applique ensuite un épuisement de 40 secondes. Rang A. Vigilant vous montre l'aura du tueur pendant 6 secondes lorsque celui-ci casse un générateur ou une palette dans un rayon de 36 mètres. Vigilant a un temps de rechargement de 30 secondes. Rang C. David King. Nous vivrons éternellement vous récompense à chaque fois que vous sauvez un allié ou prenez un coup pour lui à hauteur de 25% de points de sang bonus supplémentaires en fin de partie jusqu'à un maximum de 100%. Rang D. Drôlement dur est une compétence de course qui peut se déclencher par vous-même lorsque vous êtes blessé. Durant un court laps de temps, vous courrez légèrement plus vite et éviterez tous les coups donnés par le tueur pendant l'animation de course. Cette compétence inflige également un épuisement pendant 40 secondes. Rang A. Pas envie, vous fera commencer la partie avec une blessure insoignable. Vous serez donc toujours blessé, toutefois, vous ne laisserez aucune flaque de sang et les gémissements que vous faites dus à la douleur seront atténués de 50%.
De plus, si le tueur ne vous ramasse pas en état critique, vous pourrez vous relever. Rang D. Quentin Smith. Debout, débloque le potentiel de lire les auras des portes. Celles-ci vous seront révélées et votre vitesse pour les ouvrir sera augmentée de 15%. De plus, lors de l'ouverture, vos alliés verront votre aura. Rang C. Pharmacie vous garantira de trouver une trousse de soins dans le premier coffre que vous ouvrez dans la partie. De plus, vous fouillerez plus discrètement les coffres et 80% plus rapidement. Rang D. Vigile augmente 20% de la vitesse de récupération de tous les effets néfastes comme épuisement ou hémorragie dans un rayon de 8 mètres autour de vous. Rang A. Inspecteur tape. Ténacité prend effet lorsque vous êtes en état critique. Vous pourrez désormais ramper 50% plus vite tout en récupérant. Rang B. Intuition de l'enquêteur révélera l'aura des générateurs, totems et coffres dans un rayon de 64 mètres lorsque vous finissez la réparation d'un générateur. Rang C. En planque, vous octroie un jeton jusqu'à un maximum de 4 à chaque fois que vous passez 15 secondes dans le rayon de terreur du tueur sans être poursuivi. Lors de la réparation d'un générateur, si vous faites un bon test d'habilité et que vous avez au moins un jeton, le test sera considéré comme parfait et le jeton sera consommé. Rang C. Kate Denson. Danse avec moi effacera les marques que vous laissez en courant pendant 3 secondes après être sorti précipitamment d'un casier ou que vous passez une fenêtre en courant. Le temps de récupération est de 40 secondes. Rang B. Parfaite occasion, débloque la lecture d'aura de palettes et de fenêtres dans un rayon de 20 mètres. Une fois une palette ou une fenêtre utilisée, la perque devra se recharger pendant 40 secondes. Rang C. Effusion rendra vos effets de lutte 75% plus efficaces et les crochets qui sont censés être illuminés quand le tueur vous porte lui seront masqués dans un rayon de 14 mètres. Rang C. William Bill Overbeck. Laissé pour mort vous donnera un bonus en vitesse de réparation de 25% par générateur manquant, mais uniquement si vous êtes le dernier survivant. Rang D. Sur la réserve, s'active à chaque fois que vous décrochez un survivant dans le rayon de terreur du tueur. Le survivant blessé aura alors un sursis de 15 secondes pendant lequel il pourra prendre un coup sans passer en état critique. Il aura alors un saignement qui durera 25 secondes qu'il devra soigner. Le cas contraire, il tombera en état critique, de même s'il reprend un deuxième coup. Rang A. Indéfectible vous permettra de vous relever de l'état critique une fois par partie, en plus d'augmenter votre vitesse de récupération en état critique de 25%. Rang C. Vous n'avez maintenant plus de raison de connaître les perks sur le bout des doigts, n'est-ce pas? Le classement peut également vous aider à composer vos decks selon votre rôle. Toutefois, en voici quelques-uns. Le deck Coureur. Son but est de faire en sorte que le tueur le poursuive le plus longtemps possible afin de faire gagner du temps à ses alliés qui font le générateur. Il pourra utiliser Course effrénée, ou Souple, ou Atterrissage équilibré, ou Drôlement dur, Auto-soin, Coup décisif, et Adrénaline. Support. Le support pourra surtout aider ses alliés pour les décrocher et les soigner. Nous y arriverons. Auto-soin, empathie, connaissance en botanique ou perque de course. Mécanicien. Le mécanicien se focus sur la réparation des générateurs pendant que le coureur occupe le tueur. Montrez ce que vous savez faire ou évasion urbaine, auto-soin, meneur, lien ou perque de course. Saboteur. Le saboteur peut décider de suivre le coureur afin de supprimer les crochets au dernier moment avant que celui-ci ne se fasse accrocher. Sabotage, course effrénée ou souple ou atterrissage équilibré, auto-soin, empathie. Discrétion. Ce rôle convient à tous les rôles cités au-dessus, cependant il est beaucoup plus polyvalent et permet d'échapper à la vue du tueur. Il jouera donc avec évasion urbaine, poids plume, course effrénée ou souple ou atterrissage équilibré, volonté de fer. Vous savez désormais tout concernant les perks des survivants. Il y aurait beaucoup de choses à dire, selon mon créateur, pour le résumer en une seule vidéo. Il est l'heure désormais de savoir si vous aviez bien retenu l'enseignement de Dead by Daylight précédent. Un tueur ne vous entendra si vous rentrez ou sortez d'un casier que si vous courez. Un survivant ne pourra être accroché que maximum 3 fois avant de mourir. L'accessoire ombre sanglante appliqué sur une clé vous permettra de voir l'aura du tueur dans un rayon de 32 mètres. Afin de mieux vous décrocher sur les crochets, toutes les offrandes permettant d'augmenter la chance vous aideront. Les compétences enseignables de chaque survivant et tueur se débloquent donc au niveau 30, 35 et 40. Voilà qui conclut la fin de cet enseignement de Dead by Daylight. N'hésitez pas à donner votre résultat au test dans les commentaires ainsi qu'à laisser un pouce bleu. La prochaine fois, nous étudierons les perks des tueurs. À bientôt.